Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Jodi a nous connaît que c'est 6 janvier, c'est fête Epiphanie. En pays d'Haïti, je dis c'est en pile monde, je dis c'est les rois, la fête les rois. On est ça sont de coutume dans nous, la caille nous. Et nous avons remarqué c'est après les rois que tout le monde reprend le travail. Et m'a souhaité tout le monde bonne fête Epiphanie jodi a. Et mon crime les rois, bonne fête des rois. Eh bien, nous connaissons depuis fait 7 heures, mais de loi toujours paraît pour nous entrer la caille nous quand même, chaque jeudi soir. Eh bien, nous connaissons, émission nous, hein, il était qu'un peu de l'eau, en direct, chaque jeudi soir, à 7 heures. En collaboration avec Radio Télé Cajou, vous faites tout le monde connaît ce qui a passé dans le domaine de l'eau et environnement dans le pays d'Haïti et sous planète à tout, de façon que nous arrivons tous à sensibiliser tout le monde sur ce cause ici-là. Mais nous connaissons tout que nous toujours fait un petit. Pour nous requier ce sponsoriser, cap aider, monter émission. Mais nous connaissons la création toujours là avec nous. Et nous connaissons ça le fait. Il fait bel cap pour tout événement, baptême, communion, mariage. Et puis tout, il fait quelque chose de personnalisé pour tout type gâteau. Demandez-nous pour nous suivre la création sur Instagram, ni, ou soit Réléo, non, 954-655-3602. Des drafters tout qui sont groupe architecte qui là pour changer environnement la caillou en dedans coup de yo pas hésiter rele yo. Eh bien c'est 954 324 1632. Tout capté la télé Cajou, c'est www.radiocajou.com à cajou.tv. Avant de démarrer l'émission, il faut parler tout de COVID-19 là. Puis oui, ça qui continue à faire ravage tout partout dans le monde là. Précisément, qu'on y a dans le pays d'Haïti. Demandez-nous, prends en pile précaution. Mettez masque nous, kembe distance nous, yon ak lot. Lavez men nous de temps en temps ak savon. Surtout avant de manger, avant de mettre les mains dans la figure, nous, avant de bouche, nous. Et puis, autorité, tout m'a demandé, puis continuer à sensibiliser la population, puis prendre toutes les précautions qui sont possibles et informer tout. Que gros danger que le coronavirus a toujours représenté. Nous connaissons, jusqu'à présent, que le monde a mouru. Eh bien, l'important, ok, pour nous t'a vacciner, pour nous continuer à prendre un booster nous, pour nous protéger tête nous, et puis, continuer comme d'habitude, et t'y barricade nous devant porte la caille nous, ça veut dire devant bouche nous, à nez nous. Vous connaissez même si c'est un petit peu non fini, mais toujours continuer, écoutez conseil météo, pas prendre l'an, mais les services météo a demandé nous ça. Et puis nous connaissons tout, même si pas de l'appli, nous devons quand même bien laver les fruits nous et les légumes yo, avant que nous consommions. Vous comprenez pour qui ça? Nous devons attraper choléra. Ce n'est pas coronavirus, choléra là tout. Eh bien, pas oublier que nous avons un problème assainissement dans le pays d'Haïti. Et nous connaissons qu'un pile monde jusqu'à présent a fait besoin à l'air libre. Eh bien, maintenant de nous, pour continuer à laver mais nous, les nous sommes dans la toilette. Les nous sommes fait besoin nous. Parce que le choléra toujours là. Comme d'habitude, je vais toujours insister. Pour nous dire,
tout autant que pour qu'on gagne un système adéquat assainissement dans le pays d'Haïti, choléra là toujours là. Et qu'on y a un cas, nous c'est même bagarre là pour corona, il faut quoi finir. Il y a une autre version qui apparaît toujours. Ça me garde nous, continuez à prendre toutes précautions nous. C'est comme ça tout, tic-tic-tic-ra, théâtre en blé. Eh bien, faut pas oublier goudou-goudou. Nous par contre qu'il est là passé, eh bien renforcer caï nous. Faut nous construire par racisme. Faut nous faire simulation dans l'école yo tout, dans le travail yo, dans la télévision, pour tout monde ka connaître comment puis comporter yo. Pendant le tremblement de terre, après le tremblement de terre. C'est comme ça, nous toujours faisons si. Parlez avec nous avant que m'entrer dans l'émission. Mais pas oublier. Donnez un petit like. Si vous avez gardé l'émission, ça, n'importe qui l'est encore, eh bien, abonnez-nous à la chaîne de technique de loi qui est sur YouTube là. Et puis, cliquez sur abonné ou soit sur subscribe et bien activez cette cloche là. Laissez ça n'a se voir tout épisode cap vini. Et bien m'a salué tout le monde. À suivre 46e épisode de Tekebe de loi à travers le monde. M'a profité de tout ça qui fait paraître. Bonne fête Epiphanie. Bonne fête des rois. Et comme nous connaissons, c'est toujours un grand plaisir lié pour moi. Moi-même, Louis Christian Patrice Baptiste, que nous connaissons, et même pour nous venir chita à cause avec nous. Sous affaire de l'eau à environnement. Donc, si on remarque, on va dire nos bagailles là. En tout cas, partagez l'épisode là, partagez pour l'autre capable de venir, venir entendre ça, on va dire. Eh bien, premier bagaille, nous souhaitons un monde, chaque commencement année, nous disons bonne santé. Là oui. Eh bien, santé ça, il dépend de l'environnement. Tout autant que l'environnement nous pas bon, santé nous a pi pas bon. Donc, nous devons gourmer pour nous gagner un bon environnement. Nous devons protéger. Et puis, apprendre l'autre monde, protéger tout, pour nous gagner une vie qui est meilleure. Mais pour ça arriver fait, faut gagner sa nouvelle tête ensemble. Faut gouvernement pays nous emboîter partout dans le respect pour l'environnement. Et pour les mêmes tout. Ce qui ça veut faire, il veut diriger tout le monde. Sous même voie ça. Ce n'est pas oublié. Mais toujours dit nous, à ni pays nous, à ni planète là, les concerne nous tous. Les dépend de nous. Et nous capable de dire tout, surtout nouvelle génération. Bon, si nous t'avons que santé ça, qui a souhaité nous, une santé qui dit rab. Nous t'arrêtons, nous faisons ça à passer. Nous partageons l'épisode ça pendant que nous gardons là. Pour tout le monde qui peut brancher, capable de rejoindre nous, comme ça, nous multiplions l'écoute là. Nous sensibilisons plus de monde. Et puis chaque monde a mis main en main à un qui dans la zone par yo. Moun ki nan département pa yo,
pour un développement durable dans le pays d'Haïti. Comme ça, nan pwè, Haïti que nous aimons en pile là, la va changer figure. Comme moi toujours dis nous, c'est environnement qui a remercié nous. En avance. Nous songeons que nous avons un gros blé, nous brassons l'idée qui était faite dans la COP26 dans Glasgow sous affaire changement climatique là. Nous songeons ça. Côté Téchaï Souri, qui est un activiste indigène pays Brésil, qui vit dans l'Amazonie, te défend Amazonien. Mais ça te motive nous, dans le Tite Kembedo, pour nous faire une visite dans l'Amazonie. C'est ça que fait nous songer. Épisode 40, là, nous te chita dans l'Amazonie, qui c'est pour mon planète là. Côté nous te remarqué que plusieurs pays dans l'Amérique du Sud là, te gen yon ti parti nan tè yo nan Amazonie. Sonje sa. Et puis tout, sonje tout nan épisode 41, hein? Nou te chita nan Amazonie brésilienne nan. Jodi a, nou pou ale nan Amazonie bolivienne nan. C'est ça que fait nous, m'habiller, j'en m'habiller là, je dis là. Nous allons accompagner Boliviens dans l'Amazonie. Donc, demandez-nous pour nous suivre bien, pour nous accompagner tout dans cette visite virtuelle, ça que nous fait avec nous là. Eh bien, m'a continué dans l'Amazonie. Eh bien, pour voir la caille pas nous, nous t'a servi tout ça d'exemple que nous voyons là, yo. Que nous voyons déjà dans l'Amazonie en défendre l'environnement. Mais nous, ça, yo manifesté en pile pour défendre l'environnement. Nous-mêmes, nous manifesté, et nous avons manifesté, nous avons crasé l'environnement. C'est ça, c'est contraste, ça. Nous avons aimé que, ton changement qui fait la caille, nous devons manifester tout pour l'environnement, nous. Pour nous changer l'environnement. Nous avons dit ça déjà dans l'épisode. Côté que, depuis nous manifester, c'est pour l'environnement, c'est pour bon bagage à manifester. Le gouvernement comprend ça, la mettez avec nous, la marche avec nous dans la manifestation. Parce que, il t'a remis tout. L'environnement nous changer. Et nous, tout t'a remis l'environnement nous changer pour que la vie nous capable de changer, la vie nous capable de mieux. Avant que vous rentrez, que vous allez dans l'Amazonie, Bolivie, non? Faut d'abord, on t'a rentré Bolivie. Ah oui? Il y a des gens qui parlent côté Bolivie. Je regarde quand là, je vais dire Bolivie, bien, c'est un pays dans l'Amérique latine, non? En Bolivie, Bolivie, allez nous regarder pour ça, ça veut dire nous, Bolivie. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Bolivia. Bueno, on connaît grand pile haïtien qui dans zone, non, mais Bolivie, pas tellement grand pile haïtien. Eh bien, Bolivie, c'est un pays, non, Amérique du sud là. N'a regardé là, c'est drapeau. Kounya c'est à moi oui, avec armio et puis ils ont gagné et animal national. On rentre là, mon carré, ça gagne, ça Bolivie.
nous arrivons, nous c'est un pays qui est en Amérique du Sud là. C'est lui-même qui a gardé. Et quand là, qui est vert, et même point rouge ça, partie rouge là, c'est Bolivie. Et si on a gardé à côté à droite, on a fait tout autre pays qui est en Amérique du Sud là. On a besoin de citer yo, après yo, nous connaît yo, et on a passé ouais yo tout. Eh bien, Bolivie, c'est lui-même qui est plus pauvre en Amérique du Sud là. On a gardé là. Bolivie, d'abord, demandez-nous, pour qui ça, où il est, pays ça, Bolivie. Et bien, dites-nous, Bolivie, portez-nous, nous gros, nous grands héros dans l'Amérique là. Dans l'Amérique du Sud là. Nous connaissons, qui te relé Simon Bolivar. Nous changeons, nous connaissons Simon Bolivar, y est, bah. Simon Bolivar, comme dit-nous, avec appui président haïtien qui était là, l'ESA, Alexandre Pétion était bali autorisation, parce qu'il devait demander autorisation pour devait demander appui à pays d'Haïti que qu'on est qui était fait indépendance bien avant et qui était solide dans l'époque ça avec l'armée indigène, l'armée haïtienne était tellement solide. Eh bien, il te vient demander appui à Pétion. Mais Pétion te dit, lui, pas qu'un problème. Et monsieur, il te recruté haïtien qui voulait, hein. Et pas forcément, tout haïtien. Et haïtien, t'es courageux. Quand pile te voulait, et il te formé une bonne, belle armée, qui t'est sorti d'Haïti. Donc, avec Simon Bolivar, une expédition qui t'est arrivé dans le pays Bolivie. C'est une baille Bolivie indépendance. C'est ça que fait pays ça, les Bolivie. Mais en parenthèse, faut me dire tout, c'est pas seulement Bolivie, non, c'est baille indépendance. C'est bien Venezuela, comme président Venezuela, on a parlé de ça. C'est bien Pérou, c'est bien Équateur, tout. Eh bien, on a gardé quatre là, là devant nous tout. Gen moun ka mande ki frontye, ki frontye, ka ki peyi Bolivie gen frontye, nan gade kata la. Gran pi peyi entoure Bolivie. Men map di nou, Bolivie gen frontye avec Brésil. Les affaires haïtien ki nan Brésil konflit pou bat avec Bolivie. Mais il y a 3400 km ouais, de frontière avec Brésil. Il n'a pas gardé encore, nous, Pérou. Donc, il y a 900 km de frontière avec Pérou. Il n'a pas gardé plus bas avec Chili. Il y a 861 km de frontière avec Chili. Il n'a gardé encore, nous, Argentine. Argentine, il y a 832 km avec Argentine. Et finalement, avec Paraguay, qui est bas, il y a 750 km. Ça, c'est frontière terrestre. On parlait de frontière maritime, tous les rencontrés, frontière maritime. Eh bien, non. On va dire, Bolivie pas de frontière maritime. Bolivie pas de la mer. Ça veut dire pas de frontière maritime. Même si on a été au Portugal, on a étudié. On a été bon groupe en Amérique latine. Non? Et on a gagné des Argentins, des Boliviens, des Brésiliens. T'es un Colombien, t'es un Dominicain, avec Salvadorien, nous t'es une équipe, non, centre des convives de
laboratoire national d'ingénieur civil. Mais là, nous t'a fait d'habitudier, nous t'a travaillé, mais à chaque fois qu'il y a un petit temps libre, nous, les Boliviens, nous dit, on a l'an en mer, on a l'an en mer. Pas qu'à comprendre pour que ça, monsieur Abdino, on a l'an en mer, parce que nous travaillons. Mais là, nous, ici, j'ai un temps libre, monsieur dit, mon cher, on a l'an en mer, fois ça. Mon cher, nous vivons dans l'an en mer, monsieur, enjoy l'an mer. Comprenez? Nous gardons. Monsieur Pien, je ne peux pas habiter dans l'homme, mais déjà, nous, chaque fois, dans l'homme, c'est bon l'homme d'habiter. Mais mon cher, monsieur, plongez tout dans l'homme, il me dit, ah, monsieur, c'est menti la bonne. Monsieur, tellement plongé, il a fait brasse. Il dit, monsieur, quand on va prendre nager, on va gagner. Il dit, oh, c'est dans la rivière, nous, c'est dans la rivière, nous, et là, nager dans la rivière, on connaît à contre-sens rivière, il faut qu'on nage vraiment. Et monsieur, c'est qu'on nage. Eh bien, femme dit nous, bagay ça, a fait l'an mer, ouan, comme c'est la première fois là dans l'an mer, ouan, ça fait qu'il enjoy, il enjoy comme ça, il dit, le ouais, ça l'an mer a yé. Eh bien, territoire Bolivie, femme dit nous, il était plus grand que ça lié qu'on y a. Bolivie, t'es bien l'an mer. Il perdit dans le territoire yo, avec conflit que tu gagnes avec voisin lui on saute peut aller là tu gagnes que qui des frontières avec lui bien on capable boire ça n'a regardé là nous voit Bolivie. C'est parti qui est en blanc. Il n'a pas une ligne rouge qui fait démarcation Bolivie à tout ça que tu gagnes en vent. Ou bien, Bolivie perdit au parti, là donne au fur et à mesure avec pays ça, après parti bleu qui l'a gardé des deux côtés, yo, de Brésil, c'est Brésil qui peut partir ça après conflit que tu gagnes avec Bolivie. N'a pas gardé parti mauve là, n'a pas gardé encore, c'est deuxième fois que Brésil prend l'autre parti dans Bolivie. La quantité de Bolivie a perdu. Si n'a pas gardé vert en bas, c'est Paraguay qui prend parti ça dans Bolivie. N'a pas gardé parti qui en saumon en bas, c'est Argentine qui prend parti par tout. Et dernier parti là, ça a plus de problèmes à Bolivie. C'est parti l'en mer que Chili lui-même Kounia prend. Quand on a regardé parti qui plus ou moins rouge là, ça veut dire que Bolivie est parti sous l'en mer. On est perdu. Et bien, jusqu'à nos jours qu'on a parlé là, gagné quand même des démarches qu'a fait pour Bolivie jouer un parti de ça pour que qu'a gagné accès à l'en mer. Et si nous regardons, on parle de Bolivie toujours, parce que faut nous regarder Bolivie, quand on est là, et bien lui-même, il gagne 9 départements qui sont autonomes. Quoi, Haïti, il gagne 9 départements. Non, non, il gagne plus que 9 départements, divisé en plus, en plusieurs parties. Et bien, il gagne 9 départements qui sont censés autonomes. Toujours, disons ça, pour que nous-mêmes, nous t'arrivons, nous jouer autonomie chaque département tout. Pour que chaque département entre en compétition avec l'autre, puis au cas privé, ça produit plus. Il y a 9 départements, on a regardé là, il y a Pando, il y a Beni, il y a La Paz, il y a Cochabamba, il y a Santa Cruz, il y a Ouro, il y a Potosi. Chokisaka à Tarija. Ouais, 9 départements ça yo qui gagnent dans Bolivie. Eh bien, Bolivie, il y a un président. Donc, on est toujours montrer président. Mais président, actuel président, c'est Luis Arce Catacora.
qui fête les mêmes le 28 septembre 1963, dans la ville La Paz. Même si sorti dans une famille d'origine métisse, dans la classe moyenne. C'est son économiste, mais c'est lui-même qui t'a fait PIB à grimper sous le président Morales, qui lui-même que lui remplacé là. Vous entendez parler de Evo Morales, par lui. Bien, mais président Evo Morales, ex-président Evo Morales, qui est là, il est mon Evo Morales, Aïba, okay? Qui est le premier président descendant indigène. Il y a quelques minutes quand même. Il est sorti lui-même dans l'altiplano, qui a gardé, qui est en marron. Qui a gardé dans l'altiplano. Eh bien, il y a tout un vice-président. David Choke ou Anka, qui est censé vice-président pays Bolivie. Si nous avons gardé Bolivie là, nous avons gardé Bolivie, gagné deux régions, deux grandes régions là-dedans. Nous avons gardé là, à partir Baron. Eh bien, deux gros, ça y est, nous avons dit, gagné l'ouest là, ok, qui est dans Baron, okay? Qui est à gauche là. Qui traversait par deux cordillères, là, des cordillères, là, nous comprenons déjà, mais vous savez, c'est une chaîne de montagnes qui orientait nord-sud, qui entourait grand plateau, ça, qui est l'altiplano. Et c'est dans la région, ça, que la majorité bolivienne vivent là. Après ça, nous avons une cordillère aride, là, qui est censée aride, ça, occidental, là, qui est censée à gauche, là. Et bien, dit même, il abritait quelques sommets, tant que Nevado, c'est Sajama. Que je vais montrer tout à l'heure, parce que ma fin de ça, on va le montrer, ça, et on va garder sous 4 ça, parce que ça va. Nevado, Sajama, si on va garder et 4 là, il est censé, et non, marron à gauche. Ok? Qui gagne une hauteur de 6542 mètres d'altitude. Et nous, comme on dit, c'est point qui pire dans Bolivie. Après ça, nous allons regarder au plateau là, qui borde nord de cela, par côté royal là, côté nous avons admiré Nevado Imani, les mêmes qui sont censés en haut, nous avons regardé presque dans vers là, bon la passe. Okay? Qui dit même gagné 6402 mètres d'altitude avec Yampou, côté Villa Passachita même. Puis nous gagnons un cordillère oriental qui habitait vallée humide de la qui en fait là, qui chargeait à forêt. Mais comment Bolivia constitué? Mais nous sommes capables de dire que pays ça, c'est une histoire tout. Montre nous bien Cordillera, on va pencher ça, mais là, Bolivie, là, on a regardé Cordillera qui passait là et qui séparait Bolivia en deux parties. C'est même qui là, ça a beaucoup arrivé, mais nous avons Cordillera qui est là et nous avons les différents et points hauts qui gagnent, soit dans la zone de la passe là, avec Iba. Ok, que nous avons les Bado Imani qui n'ont pas la passe là, avec l'autre là. Et Cerrado et Nevado Sajama. Qui en bas lui-même. Mais comme d'abord, nous allons, pays ça, les grands histoires tout. Bah, j'aime passer, travailler avec nous, sommes pas dit, nous ne pas parler, nous, de l'histoire. Eh bien, avant de rentrer dans l'histoire, il faut nous capables, vice-président, et qui est avec le président là, c'est David. Choke Huanca, qui est vice-président du pays Bolivie. Eh bien, tout pays dans l'Amérique là, nous avons gagné une découverte qui était faite. Donc, avant la découverte là, avant la période
colons dérivés dans l'Amérique là, eh bien, tu gagnes le monde qui t'a vivre là. En zone en dessous, qui aurait les. Même, qui était censé être une culture, une civilisation, qui était le Tiwanaku. C'est eux qui t'a vivre là, avant. Et après, dans le 15e siècle, là, toujours, tu es venu gagner un caillot qui est intégré parti et actuel Bolivia dans l'Empire. Bien, on a passé en revue pour nous voir plus ou moins OK. 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 Les... au fur et à mesure la voyons. Voilà. Et maintenant, c'est un caillot. Et après ça, c'est une colonisation espagnole. Eh bien, les Espagnols arrivent. A eu découvert les zones là, il a joué l'âge argent, et bon, on ne sait pas une de Potosi italien, on côté dans Potosi, qui a joué en pile argent. Mais ça, Bolivie, on a fait partie de vice-royauté PUA, et puis après ça, nous avons passé dans vice-royauté Rio de Plata, qui est en Argentine. Ça veut dire, et mais ça, Bolivie lui-même fait partie de PU, c'était le roi PU. Mais vice-royauté ça, tu gagnes un territoire qui kounia pour Argentine, pour Uruguay, pour Paraguay, pour Bolivie, qui sont ces territoires au Pérou, et qui ont parti dans Chili, et Sud-Brésil. Ils ont tout dépend de vice-royauté Pérou qui t'a dans Lima. Mais la communication était tellement difficile à cause de gros monde ça, yo, que tu traverses, c'est qu'on dira. Et. Ça y est, donc, il est arrivé, dit, ah, il faut mettre l'autre vice-royauté, il est mettre dans Buenos Aires, côté que, bah, il était capi facile, mais il est passé dans la mer, il est à Athènes, Buenos Aires, puis il est capable de gérer la zone très bien. Eh bien, en voyage, il est arrivé, peut-être, mon Bolivia, gardez-nous tout, peuple ça, t'es gagné en t'es religion un caractère là pour qu'on t'aller hein espagnol yo vini yo même vini imposer catholicisme et donc a dit jounen jodi a majorité population Bolivie c'est catholique et pour finir nous va pas l'indépendance parce que c'est la de rivière mon fontine histoire avec nous parce que il t'es gagné indépendance c'est tout et bien lui pour indépendance ça il t'est démarré dans l'année 1809. Ça veut dire 5 ans après que Haïti te fait une preuve d'indépendance. C'est dans ce sens ça que ouais, Simon Bolivar t'a rencontré avec Pétion. Pour l'a regardé là. Pour te demander concours. Pour t'y arriver à libérer le pays Chayo. Et bien, il était abouti en 1825. Il prend plus de quand même. Grâce à l'armée Bolivar là. Qui était accompagné de l'armée haïtienne. Non. C'est ça que fait, nous relèvons, comme nous l'avons dit à cause du Bolivar, il y a le pays ça, Bolivie. Mais Bolivie, que nous avons gardé là, une grosse superficie de 1,098,581 km², c'est parti bagarre. Bon. Donc, mais, il y a gagné une population de 12 millions d'habitants, concours Haïti. Donc, c'est ça que vous-même, vous gagnez environ 12 habitants par kilomètre carré. Eh bien, on a parlé de Bolivie. Vous voyez comment m'habiller. Eh bien, si m'habiller comme ça, c'est parce que, mais Bolivie, mais population Bolivia, est évaluée après
de 12 millions d'habitants qui composait de 55% là-dedans, c'est Amérindien. Et Amérindien, ça, yo, yo reparti en 40 groupes ethno-linguistiques. Côté, nous gagnons 30%, c'est Quechuas, 25% Aymaras, 0,2% qui c'est Chiquitos à Guaranis. Il y a 30% métis à 15% européens d'origine espagnole à portugaise. Yeah. Eh bien, nous capables de dire, pendant que nous là tout, parce que n'a pas les deux Amérindiens. Nous connaissons toute Amérique du Sud là. C'est bien Amérindien là-dedans. Eh bien, si Bolivie gagne 55% indigène, Pérou vient après lui gagne 45% indigène et 37% métis, soit 82% population. Il vient après Bolivie gagne 85% population comme ça. Profitez de nous ça tout. Il faut parler de l'Équateur qui gagne même 25% indigènes, 55% métis à 80%, ça veut dire 80% population. Guyane, nous connaissons Guyane dans la zone tout. Guyane à tout, avec Suriname. Il gagne entre 5 et 20% lui-même. Après ça, nous gagnons Paraguay, qui lui-même gagne 7% indigènes et 93,3% métis. Nous gagnons Venezuela, lui-même gagne 2% indigènes à 69% métis. Nous gagnons Colombie, qui gagne 2% indigènes à 60% métis. Nous gagnons Chili, qui gagne 3,2% indigènes avec 44% métis. Mais l'autre Guyane, on est Uruguay. Si on ne parle pas du Paraguay, du Uruguay. Mais Uruguay lui-même n'est pas gagné indigène du tout. Mais il gagne 8% métis. Après ça, nous gagnons Argentine, lui-même qui gagne 2,5% indigène. Okay? Et nous gagnons Brésil lui-même, qui gagne 0,4% indigène à 43% métis. C'est comme ça, il est parti dans l'Amérique du Sud. Là. Quand il y a la contrée directement dans l'Amazonie, eh bien, qui ça, Amazonie bolivienne, n'aille? Eh bien, capable de nous, Amazonie bolivienne, c'est partie de territoire de là, dans le pays Bolivia, qui est situé dans l'Amazonie. Ça fait une balle Amazonie bolivienne. Et parce que tout, il y a un peu de l'autre pays qui est Amazonie, Amazonie brésilienne, Amazonie colombienne, etc. Mais nous, capable de dire, Amazonie bolivienne, c'est une région écologique pays ça. Du trouvé lui dans grande plaine que nous avons là, qui regroupe Chaco, Orient, Amazonie même, qui opposait lui-même à Colief, Montagne d'Abgadea, Altiplano, qui occupait l'Ouest pays. Nous sommes prêts non, et figure à l'air. Eh bien, Amazonie, ça, que premier explorateur européen, c'est l'enfer vert. On est tellement vert. Et puis, à cause de forêt, ça, qui abrite et tout petit bête là, dans la gade là. Bien, moi, qu'a dit, non? Ils sont un milieu qui est agréable pour la biodiversité que lui offre. Ah! Non seulement biodiversité que l'offre. Mais, ambiance sonore qu'occasionne là, que les petits oiseaux ont chanté, Jaco, macaque et la trier capé, et la vironne dédé, et cap attiré boum, même pas l'empathie, nous parlons ça. Eh bien, véritable poumon, c'est ça qui est l'Amazonien, qui plus chita dans le Brésil, eh bien, il a abrité plusieurs pays,
comme nous te wèl déjà quand au Brésil n'a gardé qui en vers là là parti vers là c'est pas ces pays qui sont c'est l'Amazonie et bien les abrité Venezuela tout qui en l'air les abrité Guyane Suriname etc. l'abrité et Colombie Équateur Pérou et Kounia Bolivie qui n'a pas les là qui lui-même couvre presque deux tiers territoire bolivien n'a pas gardé là n'a pas gardé c'est pas ça là-bas. Mais qui ça ethnologue dit non ça? Eh bien, pour un pile ethnologue, forêt amazonienne, non, te constitué premier habitat pré-incaï avant que vous même devienne installé yo dans altiplano que nous devons aller à dans le pays bolivien. Eh bien, Amazonie bolivienne, non, lui montre nous nos dépôts. Paysement total. Parce que le environnement qui est presque vierge, je sais pas. Environnement qui est vierge en pile. Eh bien, nous capables de dire, c'est une, nous capables même considérer comme un petit bijou, planète là. Et même si nous sommes Amazonie, Bolivie, non, nous sommes que les grands comme ça. Regardez ce pas ça. Eh bien, il n'y a pas tellement qu'on elle. Parce que forêt amazonienne, là, il est concentré principalement dans la région bénie. Il y a même une chaleur, une forte chaleur là-dedans, une humidité qui est comparable. Et même qui est capable de réserver un pile surprise comme ça. On va rentrer dans l'Amazonie pour nous capables. Ouais, exactement, ça va dire. Là, on a gardé et l'Amazonien habite à eux, côté où nous habitons. Que nous avons passé au fur et à mesure pour nous entrer dans ce type de côté indigène plus souvent habité, naturel. Continuer passer en revue, regarder le type d'habitat et yo même comment yo habillé, comportement yo, qui ça yo réalisé, qui ça va y faire, et a fait chapeau. Yo gagne un bail traditionnel yo a fait manger. Oui, voilà, il a gardé Monsieur Damio qui a marqué pas. Il faut me passer en revue d'abord. Mais comme on a dit tout à l'heure, il offre une pile surprise, par exemple, qualité, biodiversité, forêt vierge qui presque est à. Si nous comparons avec la forêt brésilienne qui s'est déboisée lui-même. Si nous regardons les quantités de parcs naturels et qui, malgré menace de travail qu'a fait, ils ont préservé un peu l'espèce végétale, animale, okay? Qui dans l'espace là. Ils ont une grande diversité culturelle côté d'après. Type de musique traditionnelle, yo, qui rythme avec propre instrument, yo. Ça a bon impression que nous dans l'autre monde. Donc, on tombe sur l'image, ça, pour nous capables de voir,
C'est dans Béni directement que ça y est. C'est passé dans Béni parce que c'est dans Béni. Avant de passer dans Béni, tu devrais président à gouverneur Bénin. Passer président à gouverneur Bénin qui n'a pas gardé la président là, comme qui est maintenant là. Et puis là, nous gagnons et gouverneur Kali Nzanzou qui est censé gouverneur Béni. Je me disais que chaque département gagne et propre gouverneur par yo. Ok? Il n'a pas fait dans Béni pour nous y aller, pour qu'on a parlé là. Entre directement dans Béni pour nous aller, tout ça l'a dit là. Yo. Là, nous gagnons et Béni qui l'a. Si nous continuons à garder, ça gagne dans Béni, mais nous avons gardé là, c'est dans capitale Trinidad, nous avons gardé et l'église là. Et nous avons gardé toujours. Et mesdames, yon, dit mesdames, ça yon, c'est yon des mesdames qui sont censés cap défendre l'environnement yon, cap fait gourmet pour l'environnement yon. Mais c'est yon même qui là, concours, c'est chahi souri que nous te remarqué, mesdames, ça autour, y a gourmet pour l'environnement yon. On a gardé habillement et Timoun yon, ok, qui est censé, et non, en fait, bah, ça yon, comment yon habillé. Il n'a pas gardé, il n'a pas parlé de musique traditionnelle. Il n'a pas gardé monsieur comment monsieur est habillé. Il n'a pas gardé tout. Et instrument, ça, comme tu as dit tout à l'heure, qui rythme, qui bon impression, qui sont l'autre monde qui est là. C'est très intéressant. Et si il n'a pas gardé tout, moyen transport, yo. Ok? Un transport, yo, bien, avec réseau fluvial là que vous avez, hein, le bon mode de transport exotique, vous avez gardé là, qui diversifie tout, vous avez gardé pirogue, yo, vous avez cargo, vous avez hôtel flottant, etc. Mais, comme vous avez dit, non, ben, ça va lier avec climat, parce que les gars là, puis comme ça, mais, fleuve, yo, qu'on étend, yo, y aller jusqu'à 20 km même de la chair. Ça veut dire que, faut que ou censé ouais en plus précaution. Eh bien comme on a dit d'aller en Amazonie, bien Béni, c'est en Béni que nous y est là, bien Pando qui dans nos départements avec nos départements la passe que nous te ouais Piwa, Cochabamba, Santa Cruz qui est une superficie totale de 280 120 km². Et bien c'est dit nous, il équivaut à 30% territoire bolivien. Ok, donc, dans ce sens, bien, on va montrer et Pirogio, voilà. Ouais. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que nous incluons tout étendu qui couvre la forêt, ça ne peut pas couvrir à tout, mais côté son savane qui est consacré à l'élevage bovin. On va continuer pour nous dire que gain. Dans la forêt, ça a un pile parc. Mais nous allons regarder le parc. C'est de parler de Bénin que nous avons là. Et que nous avons Cochabamba, Santa Cruz, qui fait partie de la bande Pando qui est en haut, qui fait partie de l'Amazonie. Amazonie, mais là on a trouvé une série de partout. Mais d'abord on a pas ouais parc ça qui est censé, qui sont véritables sanctuaires à regarder là, ok? Mon écosystème est très riche. De façon écologique, très très riche. Et il inscrit lui dans le patrimoine mondial UNESCO. Eh bien, on a dit c'est une part qui est plus belle dans l'Amérique du Sud. Là. Avec isolement, mais il y a réservé. Il dit nous, ça que nous zone ça n'est pas tellement qu'on est. Mais pour arriver là, c'est pas avion pour aller là. Donc, ça fait yo préserver.
Il a continué pour nous dire non, bon l'autre pack, il est pack Madidi. Pack Madidi, ya, c'est un bel pack encore. Il est même, il est encore forêt. Pack Madidi, il a gardé là, c'est pack Madidi. Il est capable de voir toujours l'autre aspect dans pack Madidi. Ok? Qui est tenu sous sommet cordillère des Andes, jusqu'à forêt vierge là. Forêt vieille amazonienne, non, il est en esprit là. Et puis, il y a une variété d'espèces animales. Il y a un puma, il y a un jaguar, il y a un perroquet, il y a un singe, pas quelques oiseaux, reptiles, poissons. Ah, mais pour entrer, quand il y a un parc Madidi, on peut passer par la ville qui est Renabake. Ah, Renabake, un petit village, on ne peut pas présenter pour nous là, mais. Nous avons un bail spécial sur Renabake. Qui est capable de jouer parfois terrestre, bien parfois aérienne. Et bien après ça, nous avons un parc national, département Bolivia, qui est dans Santa Cruz. Que nous avons parlé de nous là. Côté de. On m'a dit, oh oui, alors le patron c'est là, il y a un parc national là, voilà, département bolivien, là nous entrons, un bel parc qui là, bien, c'est lui qui est plus grand dans le département bolivien, dans Santa Cruz, on est qui est plus grand, et bien, avec superficie de 34 411 km², mais c'est le plus grand parc national de l'Ivigaïen, hein, comme on dit nous. Et c'est le plus grand tout dans l'Amérique du Sud là. Mais il est censé reconnaître internationalement. Parce que les gagnants, le grand félin la donne. C'est là où j'ai un jaguar. Tu commences à passer l'image pour nous capables. Ouais. Mais pas là. Regardez, tout aspect pas là. Avant tout type de bête la donne. Passer tout pour nous, ouais. Que c'est jaguar, tout. Ah, en pile bête la donne. C'est parti causé. Si nous avons gardé, continuez ici. Nous avons gardé. Bien. Pas que ça, c'est un parc qui est censé. Très intéressant. Avec un jaguar, tatou géant, puma, cerf, pécari, chaco, quanacos, aigle, faucon, singe, et un paquet d'oiseaux et reptiles. Après ça, nous avons une rivière, que nous ne pas montrer nous là, qui constitue une frontière avec Bolivie, entre Bolivie avec Brésil. Eh bien, il vient ça, tout le monde admire lui, à partir de dauphins roses amazoniens que nous jouons là-dedans. Eh bien, si tu travailles virtuel ça, qui compte parfois réel tout, l'aime là dans l'espace là, me dit lui, montre nous. Eh bien, lui permet nous, ouais. Comment l'autre pays yo organisé yo? Et nous même tout qui le sont nous cativer pour nous agir la caille nous. Pas oublier, bah yon ti like, yon ti love, si nous aimons l'émission, bien sûr. Ça va encourager nous faire l'autre voyage avec nous. Et puis, maman dit nous, quittez un petit commentaire. C'est très intéressant. Les ma petit commentaire, ça permet moi. Ça ne t'a voulu tendre à tout. Ça ne t'a voulu direction, ça ne t'a ça ne besoin tout le monde dit. Ma pote le banou parce que moi là pour faire gros travail ça que nous allons faire là. C'est cause ça que mettre loi. C'est porté pour nous. Dans 46e épisode ça sous géo environnement.
Amazonie bolivienne, bah, moi, dis-nous encore, partagez, pas oublié, abonnez tout, abonnez, mais abonnez comme ça. Ça bon force, bon ouais que n'a fait chaîne solidarité que moi bien nous pour nous arriver changer pays là. Mais ouais, nous tous 12 millions d'habitants que nous gagnons dans pays d'Haïti là, si nous tous t'abonner, n'a fait chaîne ça solidarité là, n'a changer pays d'Haïti. Merci en pile, à jeudi prochain. Même l'heure, même chaîne là. Ciao.